la sacralisation. Pour commencer le Hajj ou le Umrah, il faut obligatoirement débuter par la sacralisation. Le sens linguistique de la sacralisation, c'est l'empêchement. Les juristes l'ont défini comme l'intention d'entrer dans le pèlerinage suivi des actes du Hajj. Le bain rituel est recommandé pour celui qui est en état de sacralisation. En s'épilant les aisselles et le pubis, en se taillant la moustache et en se coupant les ongles, aussi l'homme en état de sacralisation enlève tout vêtement cousu, adoptant la forme d'un membre du corps. Puis il porte un izar, tissu blanc pour couvrir le bas, et de rida, tissu blanc pour couvrir le haut, ainsi que des souliers, ne dépassant pas les chevilles, comme l'a dit le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui. Et que l'un d'entre vous entre en état de sacralisation dans un izar et un rida, ainsi que des souliers. Et s'il ne trouve pas de souliers, alors qu'il prenne des babouches, mais qu'il les coupe afin qu'ils ne dépassent pas les chevilles. Quant à la femme, elle peut porter les vêtements de son choix dans la couleur de son choix, mais elle devra toutefois éviter de ressembler aux hommes et de porter des habits attirants. Il lui incombera également de ne pas porter le niqab, ni de gants lors de la sacralisation. Elle peut se couvrir le visage en présence d'hommes étrangers à elle avec autre chose que le niqab, en faisant descendre son habit dessus. Il est recommandé pour le pèlerin de se parfumer au moment où il commence la sacralisation. Comme le prouve le hadith où Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'Allah, dit « Je parfumais le messager d'Allah, paix et salutation d'Allah sur lui lorsqu'il entre en état de sacralisation. » Mais sans pour autant parfumer ses habits, comme l'a dit le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, et ne portait pas d'habits qui ont été touchés par le safran ni le wals, qui est une plante dégageant une bonne odeur. Les interdictions de la sacralisation. Il est interdit à celui qui est en état de sacralisation de se raser, se couper les cheveux, ainsi que l'épilation, comme l'a dit Allah, exalté soit-il. Et ne rasez pas vos têtes avant que le fendre, l'animal sacrifié, n'ait atteint son lieu d'immolation. L'empêchement englobe tous les poils du corps basant sur les cheveux de la tête. De ne pas couper les ongles. De ne pas couvrir la tête directement. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a décrit l'habit de l'homme qui est en état de sacralisation et il a dit « Il ne doit porter ni chemise, ni turban, ni pantalon, ni cape recouvrant la tête. » Et il, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit à propos du pèlerin qui meurt en état de sacralisation « Et ne couvrez pas sa tête, car il sera ressuscité le jour de la résurrection, prononçant la talbiya. » S'il ne couvre pas la tête directement, comme par exemple l'utilisation de parapluie ou s'il se trouve dans une tente, à l'intérieur d'une maison ou dans une voiture, alors il n'y a pas de mal à cela. C'est aussi défendu pour l'homme qui est en état de sacralisation de porter tout vêtement cousu, comme les pantalons, les chemises, les babouches et les chaussettes. Si la personne qui veut se sacraliser ne trouve pas d'izar, elle peut alors porter un pantalon en attendant d'en trouver un. Et s'il ne trouve pas de souliers, alors qu'elle porte des babouches. Comme l'a dit le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui. Et s'il ne trouve pas de souliers, alors qu'elle mette des babouches, mais qu'il les coupe jusqu'à ce qu'il lui arrive aux chevilles. Il est interdit à celui qui est en état de sacralisation de se parfumer le corps ou les habits, après qu'il se soit sacralisé. Comme il est rapporté dans les hadiths d'Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui. Et ne portez pas d'habits qui ont été touchés par le safran et le wals. Comme c'est aussi défendu pour celui qui est en état de sacralisation de tuer ou chasser une proie. Comme l'a dit Allah exalté soit-il. Ô les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba, ou bien pour une expiation en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne. Cela afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé, mais quiconque récidive, Allah le punira. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. Il, exalté soit-il, a dit également, « Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d'ihram,
Ce qui est désigné ici par chasse, c'est la chasse de tout animal sauvage parmi les animaux et les oiseaux permis en temps normal. Par contre, l'animal d'élevage n'est pas considéré comme un gibier. Donc celui qui est en état de sacralisation peut sacrifier les poules ou les bétails ou autres semblables. Il en va de même pour la pêche, comme Allah exalté soit-il a dit, la chasse en mer vous est permise et aussi d'en manger pour votre jouissance et celle des voyageurs. Quant à l'animal interdit à la consommation, comme la vipère ou le scorpion, il est permis de le tuer, ainsi que tout animal qu'il attaque, s'il ne peut s'en débarrasser que par ce moyen. La personne en état de sacralisation n'a pas le droit de contracter un contrat de mariage, car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: le péré en état de sacralisation ne peut ni se marier, ni marier quelqu'un, ni demander une femme en mariage. Le rapport sexuel est aussi défendu. Comme l'a dit Allah, exalté soit-il, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Les préliminaires d'une relation sexuelle sont aussi défendus, comme le baiser et la caresse, car ceci amène au rapport sexuel prohibé. Concernant la sacralisation, les savants ont émis des rectifications parmi. Il n'y a aucun fondement ni aucune preuve pour ce qui est appelé prière sunna de 2 rak'at pour la sacralisation. De même qu'il n'est pas légiféré de faire une invocation spécifique lors du port de l'habit de la sacralisation. Si le pèlerin voyage en avion et craint de ne pas pouvoir porter son habit de sacralisation lorsqu'il arrive à l'endroit du début de sacralisation, qui est le Miqat, alors il lui est permis de le mettre chez lui ou alors à l'aéroport de départ. Et il ne sera pas considéré pour autant comme étant entré dans un état de sacralisation. Il devra en effet attendre d'arriver à la limite de l'endroit du début de sacralisation, le Miqat, pour pouvoir entrer dans cet état de sacralisation. Certains pèlerins découvrent leur épaule droite directement après avoir porté l'habit de sacralisation, ce qu'on appelle istibar. Et ceci est incorrect. En fait, il est recommandé de se découvrir l'épaule droite lors du tawaf d'arrivée et seulement durant celui-ci. Alors que pendant les autres tawafs qu'il fera pendant son pèlerinage, il devra la recouvrir. Si des cheveux tombent de la tête du pèlerin en état de sacralisation lors de ses ablutions ou de son bain rituel, cela ne lui nuira pas. De même que les poils de sa moustache ou de sa barbe, ainsi que ses ongles. Il ne doit pas en tenir compte à condition qu'il ne le fasse pas exprès. Ceci est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme, si elle perd quelques cheveux ou un ongle. Cela ne nuit en rien au rite du pèlerinage. Il est permis au pèlerin de porter un bandage sur son pied s'il en a besoin ou s'il a une utilité à le faire. Pour celui qui est malade ou qui craint un événement quelconque l'empêchant de terminer son pèlerinage, alors il lui est souhaitable de stipuler ceci lors de sa sacralisation en disant: je réponds à ton appel, ô Allah, pour une umra ou un hajj, et si un empêchement quelconque me bloque, alors ma désacralisation se fera là où je serai bloqué. Que si j'ai été empêché par cet obstacle, alors je me désacralise à ce moment et je ne complète pas les rites du Hajj. En effet, c'est dans Aïcha qu'Allah soit satisfait d'elle que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, est rentré chez Duba bint Zubayr et lui a dit: